où on pouvait rentrer avec au moins 4-0. Je pense qu'il a manqué d'efficacité devant les buts. En deuxième mi-temps, on revient timidement et c'est dommage. Et après, elles ont joué les contre-attaques, elles ont très très bien joué. Et heureusement que quand même on revient à égaliser vers la fin et Inch'Allah on fera le maximum quand on ira au Kenya. Bien sûr tout est possible parce qu'on est, on est meilleur qu'elle. Après il faudra améliorer devant les buts quoi, parce qu'on a énormément raté aujourd'hui. Parce qu'on est meilleur qu'elle. Après, faudra améliorer devant les buts, quoi, parce qu'on a énormément raté aujourd'hui. Et Inch'Allah, qu'on ramènera la victoire. En tout cas, on va tout faire, Inch'Allah, pour gagner. في المقابلة ولما عرف يعني عرف باللي اللاعب تأثر بقى فيه يعني اندفاع بدني بريسينغ ضغط على اللاعبات لأن الجانب النفسي كان فيه تأثر كبير. حاولنا نرجعهم ولكن لما نضيع يعني اهداف ثلاث اهداف ولا اربع اهداف شيء صعيب. Non, moi je dis quand on rate des buts, c'est très difficile. Ensuite, les joueuses ont été affectées psychologiquement. C'est tout à fait normal. Une joueuse qui a l'habitude de marquer, elle rate des buts comme ça facile. C'est un peu difficile. Donc, c'est des femmes, il faut savoir les remettre sur celles. Il ne faut pas comme les encourager, les assister. Ce n'est pas terminé pour nous. On est encore là. Ça sera très difficile. C'est pour ça que je dis qu'on va aller là-bas pour faire notre match. التحضير راح يكون خاصة من جانب النفسي فيه إرهاق فيه تأثر يعني هذا الجانب صعيب جدا لابد من ان ديسكور يكون إيجابي يعني نتكلموا معهم بطريقة إيجابية حتى إن شاء الله نسترجعوا ما ضيع منا. Algeria is a strong side, so for me pulling 2-2 over here, my target was of course to find a scoreline draw, so this is one step for us. We have to continue to be calm enough to assess the, we have already realized the strength of Algeria, they are key players, so at home I want to organize that it's possible for us, of course, if we start by scoring, then I think it will be a better situation for us back at home. Yeah, of course, in Kenya, of course, I have to control the experience of the number 19 from Algeria. That's very essential for me, because the turning point was to cut the supply. I did it here in Algeria, back at home, we understand the terrain. We'll push hard to find a goal because that's the essential thing. In a game, you try to fight and win. You don't sit back. Dommage, la première mi-temps, on aurait pu gagner carrément par 4-0. De toute façon, le football, c'est le football. Et nous, demain, on part pour il a ramené une qualification. On va y aller, on va jouer. Comme ils ont joué au Mans, on va jouer à Néa. On est 2-2, quel que soit. Et que si on part là-bas, on gagne par un but et on est qualifié. On a eu beaucoup d'occasions en première mi-temps. On les a ratées et on paye cash en deuxième mi-temps. On a un gros match à faire au Kenya. On doit marquer 2 buts, on n'a pas le choix. Et on aura la victoire et la qualification, Inch'Allah. Bien sûr, tout est possible. Sur un match, tout est possible et on va le faire. On va le faire. Ouais, on a pris 2 buts. Ouais, c'est ça. On a pris 2 buts un peu contre le cours du jeu parce qu'on avait le ballon et on doit faire le travail là-bas.